Et la avec les armures effrayantes, ça me dégoûte. Parce qu'en vrai, tu sais, tu cuisines, mais t'as des intestins autour des bras, quoi. Genre, sur mode. Ah, bon, attends, on bouffe des pieds, des mains. Et ouais, des ouais, mais enfin, et ça, ça me dégoûte. Voilà, tiens, je tiens à le dire, ça, et ça bah, me dégoûte. Écoute, ça. Ça marche. Et bah, choqué. Et bah, écoute, le prochain plat, je te fais un. Mais qu'est-ce que je fais avec des bras, des jambes, des trucs comme ça. C'est pourri, au moment où t'as fait des onomatopées, tout ça, Wotan. Volontairement. Il y a des bras qui ont volé. En fait, j'ai cru que tu gerbais des bras et des pieds. En fait, c'était Clem qui était en train de se débarrasser de ces trucs. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne contracte pas avec l'entreprise du tout nu. Ah merde, putain, j'avais presque oublié celle-là. Je ne contracte pas le tout nu. Dites-moi que vous avez vu le reportage en entier. Non, j'ai encore. Je l'ai mis en mode. Je l'ai mis en mode à regarder tout doux. C'est quoi, voilà quoi. J'en ai un trou duc en fait en Angleterre qui vend des cartes d'identité et tout, et des t-shirts qui doivent se faire une masse de thunes quoi. Oh, mais quel bâtard. Bon, sacrément de la merde quoi. Je nous ai arrêté pour rien. Putain, Wotan là. Wotan, oh là là. Ouais, non, mais je pense que je vais me déconnecter. Tu débloques, tu pètes les boulons, mec. Putain. De toute façon, le Golf Gang sans golf, déjà c'est un problème, tu vois. On a un peu perdu notre essence. Il me semble. Ah, t'as raison. Oh, y'a un truc! Là, y'a un trou! Allons voir. Ah oui! Attends, y'a un méga trou. J'ai trouvé le trou de caillou. Alors, y'a une petite canette là à prendre. Ouais, on fait quoi? Du coup, nous on fait déjà le trou qu'on a trouvé. Ouais, attends, y'a des tout nus. Ouais. On le laisse mourir tout seul. De toute façon, Dark il joue dans son coin donc. Ouais, c'est clair. Mais y'a des tout nus! C'est nous la force de l'équipe. Ouais, hein, je pense qu'il nous a jamais aimé hein, donc. En vrai. Oh, y'a du coach. Du ruban adhésif. Bon, après, y'a pas grand chose, hein. Y'a une corde pour se pendre et. Ah, attends, si, y'a du tissu et y'a une caisse. Dark, faudra que juste que tu reviennes en a. Y'a rien d'extraordinaire. C'est juste qu'il y avait des tout nus devant, donc je t'en bats de. Ouais, t'inquiète. Mais aussi deux cubes de cubeur ici. Je leur ai montré qui c'était le patron, c'est-à-dire que j'ai rien fait. Et voilà quoi. C'est qui le. Oh, y'a du scotch là, trois scotch, c'est bien le scotch, bien le scotch. Ah, dans le scotch. Genre, pour bouffer, maintenant on a la boîte de conserve pour pouvoir bouffer de oh la putain, oui. On a le can opener. Oh, mais vas-y, mais let's go. Manger, oh, je vais me taper une rasade de Kit Kat là. Mmh. Ah putain, c'est vrai. Oh, je voulais le faire cuire tout à l'heure. Oh, ce petit Whiskas là. Le petit Whiskas. Ah, goût gelé. Tu sais que ça me dégoûte. C'est un truc de ouf. Comment je déteste ça. Je vois mon chat qui kiffe sa race là à chaque fois que je lui donne. Et à chaque fois, je suis en mode. Allez, mange ton truc là. Hey, mange. Tu dis ça, mais on mange des bras et des jambes. Moi, je prends les Whiskas. Ah, tu te respectes pas, hein, Clem. Hein. Ouais, non, vraiment, t'as aucun respect, c'est tout. Ah, franchement, je préfère manger un an de bouffe pour chien et chat plutôt que. Putain, mais tu me tues juste ton repas de l'humain. Manger des croquettes pour chien. Bon, après, la bouffe pour chat, si ça se trouve, c'est bon, ça s'étale comme du pâté, on sait pas. Je peux pas. C'est trop. Sûr que ça allait le... Mais je. En plus, t'as les sticks là que tu balances. Ça m'appelle les gens qui mangeaient qui se servaient dans leurs croquettes là. Qui disaient, ouais, j'ai eu des témoignages de gens. Le quoi ? Qui disaient que quand ils étaient gosses, ça leur arrivait d'aller manger dans les croquettes de leur chat. Je peux pas. Mais t'es sérieux ? J'ai jamais fait, mais j'ai jamais essayé une fois. Ah non. Tu dis ça juste pour essayer de me dégoûter là, vas-y. Ouais, parce que je pense que franchement. C'est pas... Pour un défi, je suis capable de le faire. T'as un chat. Ouais, bon, défi à la limite, ça passe. Mais il faut que je le fasse devant Dark, hein, uniquement pour faire. Ah, attends, mais ça me dégoûte. Tu as un chat ou un chien ou pas? Non, malheureusement. On va faire un peu de randonnée champêtre. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps. Voilà. Mais du coup, Dark, tu peux chanter la musique russe? Ouais. Hélicoptère. À mon avis, le truc bleu, à mon avis, il va larguer un truc sur le truc bleu là. Suivez l'hélicoptère. Oh, regarde, l'hélicoptère décolle. Ah, il part de là. T'as trouvé son point de départ. Oh, y'a un tout nu qui m'attaque. Y'a un tout nu qui vient de fondre dans un caillou, je comprends pas. Ouais, l'hélico décolle d'ici. Ouais, il vient de partir. Regarde, il fait des rondes autour, ce bâtard là. Attends, mais d'où il sort? Attends, il y a une entrée principale de l'héliport. Il y a un héliport souterrain. Regarde. Wow. Fais le malin. Tu vas chercher loin là. Ouais, si, c'est un héliport suisse. c'est caché dans la montagne. Regarde, il y a un campement là. Oh, il y a un paravoile. Tu vas pouvoir avoir le paravoile. Attends. Ah non, j'ai cru qu'il allait se poser. J'arrive. Le parapluie du vin. Oh, il y a des tentes de survie et tout. Oh, regarde. Il y a un trou. C'est le trou de l'hélico. Oh, il y a une grotte. C'est le trou de caillou.
Ah, non mais mec, l'hélico, il y a même pas un dixième de l'hélico qui passe dans le trou. Mais si, il passe assez carton d'eau. Large. Là, ça passe. C'est Moïse. Tiens, attends, je vais essayer, je vais ramasser ici le GPS pour voir. Non, il l'a ramassé, il l'a pas mis par terre. What? Space. C'est quoi le bruit là? C'est, moi j'ai bu une canette et ça a acheté la canette. Oh, ah, on a trouvé un cœur, Chuck. Sahara is able to find me a way, Pufton never would. Il m'a trouvé un chemin où Pufton n'aurait jamais pu. Je reviens à l'île pour voir ce qui est. Ce qui reste des gens. Voilà. Mais attends, tu t'as mangé ton micro là ou ça s'est passé comment? Non, pas encore. Ok. Je suis pas encore mangé. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai mangé mon micro. Pourquoi? Parce que ça. J'ai entendu un son étouffé. Oh, des JVN! Putain, on a ramassé des JVN, bordel de merde. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est des lunettes de vision nocturne militaire. Lunettes, ouais. Oh! Pourquoi j'ai mangé mon micro? Attends, je veux obtenir cet objet là. Tu es en mode, en mode ASMR, je lèche ton oreille ou. Attends. Où ça t'as vu des. Ah là! Oui. Oh! On peut les. Elles sont où dans l'inventaire? Terre. Oh putain, je vois rien. Bah, à mon avis, ça marche dans les grottes, hein. Oui, mais par contre, dans les grottes, ça va être un vrai bonheur. Dans la nuque. Il faut les mettre dessus et après, ça s'allume comme une lampe, quoi, en gros, avec elle. Elles se mettent où? What the fuck? Elles se mettent où les lunettes, Clem? Je les ai équipées. Comment on les déséquipe? Ah, elles sont. Bah, tu appuies sur L, hein, comme pour un briquet, une lampe torche. Elles sont à côté du téléphone, au-dessus de la GoPro, au-dessus de la lampe, au-dessus du couteau. Ouais, au-dessus de Jésus-Christ. Oh, putain, ça fait beaucoup là quand même. Je te pardoche, comme disaient les Jones. Oh! Je suis pas sûr qu'ils disent ça. Mais... Ah. Oh! Lady Bill! C'est vrai que je suis incroyable. Ça fait un moment que je t'ai pas embêté là-dessus et je voudrais faire ce cadeau pour mon retour. Les gens qui impriment des emails. Merci Shadik! Mais oui là, putain, encore. Merci beaucoup! Rien à foutre. Je me suis fait caribed? Exactement. Tu attaqué par les abonnés. Tu connais le parti des animaux, c'est moi. Nyo. Mais ils font du foot avec les bébés. Merde, rends-moi ma lance. Attends, on va le chercher. Voilà. Tu peux reprendre tes lances. Oh, le bruit était un peu dégueulasse. Je l'ai planté dans la tente. Paf, ça fait gla. Pardon de l'or. À voir. Vas-y, je descends. Alors, oh putain, mais même les lunettes de vision... Oh si, ça marche bien, t'as essayé les lunettes de vision nocturne? Non, je sais pas encore. Oh, j'ai trouvé. C'est un craft. On a débloqué un nouveau craft, les mecs. Oh là là là, je t'en j'arrive pas vraiment à savoir si c'est bien. En vrai, tous les crafts custom, j'ai vraiment hâte de les tester. Hein. Putain, c'est un cul-de-sac juste pour avoir un putain de... Ouais, c'est juste un... Ah ouais. Ça, c'est un hôtel du sacrifice. Ça, c'est une super pirate. Mais ça. Donc écoute, on est là tous les soirs à 21h. Regarde le petit planning et tout. Il y a pas mal de. Donc voilà, bienvenue à toi en tout cas. Ça fait plaisir. Oh, il y a un ninja qui m'attaque. Quoi? Ah ouais. C'est un ninja du village de Konoha. Attention, il maîtrise la technique du vent. Vra vra vra. Oh, il t'a défoncé. La douche de Konoha. Tornade de Konoha. Oh là, le plomb du village de Konoha aussi, ouais. mec, t'as combien de munitions toi? T'es en créatif, c'est pas possible. Mec, il chat. Eh, moi, j'économise de ouf mes balles. Elle est encore en vie. Ouais. Oh, mais vous tirez pas assez. Mais il a une armure en or, je crois, c'est pour ça. Non, j'en sais rien, ouais. Oh merde, ma lance. Non, la technique lance dans la tête aussi, c'est pas mal. Hein. Tu l'as littéralement one shot tout à l'heure. Hein. Bon, ok, c'est bon, moi je vais dire combien il me reste de mun. Alors, j'ai une munition de. Oh putain, il m'en reste qu'une seule. C'est quoi? Ah non, mais c'est ça, non. Chevrotine et. Oh les gars, là on est sur de la scène dégueulasse ici, hein, je vous le dis. Hein. Ah, mais là, il y a un mi-Joseph ici. Mi-Jésus, pardon. C'est un mi-Jésus. Ouais, il n'y a que la moitié. Du coup, c'est un G. Ça, regarde, c'est un huitième de Jésus. Voilà. Hop. Et ça, c'est un caribou. Mais bon, c'est autre histoire. Y a une grotte là-haut. Est-ce qu'on fait la grotte là-haut tout de suite? Mais c'est peut-être comme ça qu'on s'est fait surprendre. On a fait un tour. On vient de faire le tour, je crois. Par contre, il y a une grotte dans la neige là. Dans la neige. Go dans la neige. Bah allons-y. Il veut nous renvoyer à la même entraide. On va faire le truc. Non, c'est bon. Non, pitié. Non, là, c'est good. Eh les gars, info sûre, c'est bon. Alors, on va dans la montagne. Je monte mon raton. Mais après, c'est. Tu peux en avoir comme animal de compagnie, non? Pas en France. Apparemment, il y aurait une méthode quand même pour en avoir en France, mais c'est.
Ça nécessite du bras. En fait, il faut qu'il construise un zoo et après il a le droit. Ah, tu commences ta phrase à apparemment les méthodes, tu sais que ton argument il pue. C'est pas la peine d'aller plus loin. Non, mais c'est rien d'illégal, c'est que du braconnage et du vol. Non, rien d'illégal. Juste la police qui vient une fois par semaine. Non, mais... T'auras juste un petit bracelet électronique. Si tu le fais empailler, t'as le droit d'en avoir. Tommy, la dernière fois, m'avait parlé d'un truc en lien avec ça. Apparemment, c'est possible, mais il faut passer des certificats d'aptitude, machin. Enfin, ça se fait pas comme un. Comme un chat, quoi. Je veux dire, le chat, tu l'achètes au Leclerc, au rayon surgelé, je veux dire. Pas pourquoi. Possible. C'est possible. Ouais, c'est chelou, les gars. C'est tu possible. M'entends, Clem? Oui, allô, Dark? Ah oui, c'est bon. Ok. Non, mais j'ai... Donc, un raccoon empaillé, it's okay. Ah, il y a des tombes, on va porter. Ouais, un raccoon empaillé. Un raccoon. Ah ouais, si. Et les bâtards et les autres, quoi. A plus, les bolos. Ah non, ça marche pas. Oh. Ah, bolos OM. Oh mec. Je suis pas mort, je suis pas mort. Putain, mais comment vous avez fait pour monter pour... Let's go. On a la spam. Oh putain, oh putain. Je contrôle plus rien. On a spam soup. C'est nul, c'est pas aussi drôle que ce que je pensais. Bon. Wisebot, où on peut commander du rang fermenté? Et Wisebot lui a répondu, je ne peux pas parler de ce sujet. On peut discuter de plein d'autres choses si tu veux. Putain, le mec il s'est dit, putain, tu parles de harangue, frérot. Le Wisebot, il se nourrit de harangue tous les jours. C'était un degré là, il l'a pris personnellement, genre il veut te fumer. Tu vas te faire ban par Wisebot tellement il l'a mal pris. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça va être marqué Wisebot, t'as ban. Dis en mode, Aaron Fermenté a dit, on peut parler d'autre chose s'il te plaît? Non, parce que là tu deviens un peu trop politique quoi. Genre il a pris le truc en mode, je suis suédois, c'est mon. Voilà, Wisebot est suédois, il a dit, c'est mon plat de naissance. Tu vas toucher à autre chose. Coucou, tu parles derrière, regarde au-dessus de toi, coucou. Tu parles bien, s'il te plaît. Ah, j'ai pu faire ça. Où ça? T'es où? L'arrière est en train. Oh putain, il va au-dessus de toi. Coucou. Oh oui, putain, je veux Delta planer, mais il est pas con lui. J'oublie qu'on a ça. Rendez-vous l'autre côté du lac. Un rocher, sur un rocher. Non mais je pense que les cartes, ils ont des pops enfin avec leur chargement. Ça y est, obligé. Ça y est, je vole. Ce qui est bizarre, parce que d'habitude, oh, putain, les arbres. Ah. Ils volent comme de l'or. Prise de vitesse. Oh non mais sérieux. De l'or et s'est pris une balle, mon gars. Bah. Oh oui. Oh oui. Ce que j'aime bien le bébou de l'or. Putain, je vole. Oh, oui. Oh, oui, bah ouais. Oh, what the fuck, mais mec, le carte, enfin le carte qui vole, on reste en l'air tellement longtemps. Oui, en fait, tu peux grave monter. Mais mec, je suis en train de faire le tour du lac pour la 7e fois, quoi. oui, non, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, une fois que t'as des putain, sa mère, je suis trop. On va de quel côté là, je paumais parce que comme il y a plus les cartes sur la map. Non, là, je peux plus drop le planeur. Non. Bah, like le jeu sur Steam tout de suite. Non. Oh, je vais mettre like. Je vais sur Google, je vais taper sexe. J'en ai marre. On va prendre de l'altitude. Les gars, on pète les plombs. Je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. Alors moi j'ai une idée. On va déjà aller sur en haut de la montagne là où je voulais aller, mais on va y aller via paravoile. Et là ici c'est une parfaite zone de saut pour prendre de la hauteur. Donc comment là, tu fais pour sauter et prendre de la hauteur? Tu sautes, regarde, espace, ensuite tu rappuies sur espace, ensuite voilà. Elytra, tu prends un peu, tu descends, après tu montes à fond, tu braques à fond. Ensuite demi-tour, t'évites de te prendre la cime des armes sinon t'es dans la merde. Hop, regarde, t'as vu? Et j'ai déjà pris de la hauteur. Faut que tu sautes dans le vide. Si t'as quelque chose pour t'arrêter, tu sais, il faut un petit momentum quand même. Ah bah voilà, parfait. Et là, je l'ai plus le parapente là dans mon inventaire. Il est en haut. Ouais. Et ensuite, comme les élytras, sauf que là, en fait, quand tu boostes en l'air, tu peux vraiment prendre beaucoup de hauteur. Et après, on va où? Vers la montagne. Oh, je peux sortir mon GPS pendant que je vole. Oh, c'est génial. Sur le bord parce qu'il est au milieu du lac. Parce que là, moi, j'ai pris déjà pas mal de hauteur en vrai. Hein. Donc je crois qu'on peut monter. En fait, mon objectif là, ce serait d'essayer de prendre assez de hauteur pour aller jusqu'à la montagne. Mais je sais pas si c'est possible. En vrai, ça a l'air possible. Hein. Avec le paravoile. Je viens juste de sortir de la flotte, mec. Ouais, non, mais c'est ce que je dis. Vas-y, expérimente. Parce que l'idée, c'est là, on peut clairement se voyager. Et en fait, quand tu veux faire une petite rampe de lancement, t'as besoin d'un rocher, tu sautes. Et en vrai, quand tu maîtrises bien, il faut vraiment juste le temps d'avoir une demi-seconde dans les airs pour l'activer en mode Elytra. Et après, c'est bon, quoi. D'accord. Après, tu peux voler à l'infini. Là, depuis tout à l'heure qu'on parle, je suis au-dessus de toi. Hein. Ok, go. Elle est là. Là. Elle est là, la grotte, je l'ai. Elle est juste ici. Je sais pas si on l'avait déjà explorée. Ah non, mais c'est celle de l'hélico, j'ai rien dit. Faut pas viser l'hélico. J'ai la montagne. J'ai la grotte. Putain, mes enfants, ils vont s'appeler Ben et Jerry, quoi. Mec, j'ai trouvé la grotte, go. Bon, on l'a déjà faite celle-là, non? Je sais plus si on l'a faite. On l'a pas faite avec le chalet? Non, on l'a pas faite. Moi, je suis vachement près du sol là.
Ah, j'ai trouvé un caddie de golf en plus. Attends, mais t'es où? J'arrive pas à te local. Je suis au centre. En fait, tu décales sur le côté. Décale sur le côté, tu vas voir un canyon. Et là, tu peux te poser. Oh, le bruit. Heureusement qu'ils ont pas de durabilité, eux. Ah oui. Mais on va semer le pauvre Otan, là, du coup. Ah, mais j'avoue, il y a grave moyen d'utiliser que le deltaplane, en vrai, pour se déplacer tellement c'est violent. Oui. Après, pour les courtes distances, c'est chiant, quand même. Oui, non, ça, c'est bien quand tu veux faire un peu de repérage et tout. Là, oh! Mais il y a du chasse-neige! C'est des golfs chasse-neige! What the fuck? Ils ont un truc pour racler! Attends, on peut monter dedans? Oui! Oui! Oh, c'est trop bien! Attends, je vais atterrir là! Et là, il y a un petit chalet là-bas, viens, on va se poser là-bas, on va faire un feu de camp. Oh mec, il y a une chemise de prêtre! Vous êtes de l'autre côté de la montagne ou pas? Alors, oui, en fait, il faut imaginer, si tu prends le plan... Ah, il y a un craft ici. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est un craft. Ouais, c'est un... Attends, bon. J'ai une musique bien, j'ai pas envie de descendre, du coup. Tu tires pas dessus? Ouais, j'ai tiré beaucoup le jeu depuis tout à l'heure. Voilà. Y'en a un Putain, autre. Il y en a encore un autre. Et attends, après, au pire, éclaire-moi et je sors le flingue. Hein. Ouais, vas-y. Il y en a d'autres encore. Il y en a encore un dehors là. Ouais. Il y en a encore deux, au moins. Attends, je vais sortir un flair parce qu'en vrai c'est trop chiant. Mec, il y a toute l'armée qui a débarqué au top. C'est une dinguerie. Ah merde. Moi je suis en ascension du Mont Blanc Simulator. Bon, au moins il y aura de quoi manger ici. Putain. C'est une dinguerie là! Je crois qu'on vient d'éliminer 10 mecs! Ils rentrent au fur et à mesure dans la maison, on tire! Par contre, j'ai faim, soif, fatigué. Alors écoute, on a des zombies partout! On a des zombies partout, tu peux te poser sur un banc, viens à l'intérieur là! On va à zéro, la catastrophe quoi! On va découper des mecs là! On a des réserves, regarde, tu nous as fait un frigo de mecs! Wotan, j'ai vu la lumière! Où es-tu, Wotan? Je conduis vers. Vers le paradis. Je vais traverser le lac de la lumière à partir de maintenant. C'était le lac de la lumière. C'est pas lui en face, c'est quelqu'un qui a mis Discord en white mode. Je vois la lumière, Wotan. Quelqu'un qui a mis Discord en white mode, quel bâtard. Oh, attention, t'es sûr qu'il y a une cascade là juste devant nous? Je suis obligé de quitter le cart parce que c'est. Ah, pardon, on peut sauvegarder ici. Super, je sauvegarde. Sauvegarder ici. Bande de bâtards. Eh putain, mais je vois rien avec ce soleil là! Éteignez le soleil là! La pièce n'est pas ici. C'est la mauvaise cave. C'est une horloge avec des bras. Regarde le craft. Tu peux faire une horloge à base de bras. Je pense d'ici on peut décoller en deltaplane, les gars. Ah, j'ai un problème de batterie, je reviens. Wotan, tu nous entends toujours? T'es pas en bug? Oh ouais, non, je suis là. C'est good. Ok, super. Ok, je tente ici. Voilà. Ah merde, il y a du courant en fait là, j'ai du mal. Putain, je suis tellement aveuglé par le soleil, au secours. Ah, il y a un chalet ici, ok. Ah, oh, il y a un pont ici, là, regarde, on peut traverser. Vas-y, on fait comme la reine, on déneige. Oh putain. What the fuck, le pont? Tu crois qu'on peut passer dessus avec les... Je sais pas, je veux essayer. Ah, oh, c'est une tente militaire, les gars. Je trouve une tente militaire avec un caddie de golf. Je peux pas, je me suis empalé. Ah, la déception. Attends, viens, on passe par la gauche, là. Il y a de l'encre à balle. Ouais, tu sais quoi, je vais tout mettre mon encre, comme ça vous pourrez vous servir. Ouais, j'arrive. Enfin, on arrive du coup. Tous les deux. Ouais, les gars! Oui? Oui, bébou? Ça fait 300 jours que j'ai pas vu un seul être humain. On dirait vraiment le mec dans sa station de recherche. J'ai fait des recherches sur les problèmes de la fonte dans les glaces d'Arctique, mais j'ai été coincé ici. Putain, ça fait 15 jours que j'attends des secours. Wouhou! Oh putain. Ouais, mais tu t'es fait luge avec une imprimante 3D, c'est trop cool. J'ai pas de point de repère, là moi je vous dis, limite on crée une base. Hein. Ouais. Eh, ici ça m'a l'air pas mal. Ouais. C'est un petit peu plat là. Et n'oubliez pas de ramasser des pierres pour recharger votre stock personnel. Attention, alors
Ouais, on fait des fondations. Ouais, mais c'est pas celle que j'ai posée, il faut trouver les vraies. Tu vois, ça se fixe. Regarde. Attends. Oh merde, on l'a fait en même temps. Ouais, j'ai eu peur qu'on pète tout, mais... C'est terrible, le mode de construction, franchement, est incroyable. Ouais, franchement, c'est énorme. Voilà, mec, on est encerclé. On est encerclé. C'est le moment d'essayer mon fusil, en vrai. Vas-y. Je te protège en continuant la construction en attendant. Mets l'air du plomb dans la tête. J'ai complètement tiré à côté, j'ai le seum. Ah putain, il y a des grands rouges. Oui. Franchement, c'est hardcore. Je pense que sans map, c'est un peu fin, c'est trop lourd. Ah mais c'est elle que j'avais renversée là. Ah oui, mais le fusil, c'est un tir, un mort. Les mecs rouges, je les ai tous allumés. C'est génial. Oh. Ah oui, non mais attends, le fusil. Oh, il y a un mutant. Ah oui, j'avoue. Il y a un mutant, il y a un mutant. Ah, c'est un gigabitax. C'est un gigabitax, mec. Le gigabitax, le retour. Putain, j'ai retrouvé des tombes, les mecs. Hein, mais... Ah, ouais, j'ai mis une balle... j'ai mis une balle tête, mais on n'est plus sur une balle colonne vertébrale. Bon, on est d'accord, j'y crois pas. Hein, les tombes, mis à part de la merde, on a rien d'autre, on est d'accord. Hein. En fait, ça me déstabilise parce que comme dans le premier, dans les tombes, on pouvait avoir, tu sais, les pièces de flingue là. Il y a des bébés. C'était pas les tombes, c'était les trous, pardon, merde. C'était les trous normaux, c'est vrai. Les trous normaux. Les trous normaux. T'avais des trous sur la map. Il y a de l'armure à prendre, viens. Et quand tu creusais, t'avais des. Ouais. Il y a des babies qui traînent. T'avais des pièces pour pouvoir crafter un flingue en fait quoi. Mais c'était pas des tombes en fait, c'était des trous, t'arrivais, tu pouvais creuser et. Il est où le connard? Il est là, ok. 3, 2, 1. Pas y dire, il est dans ton truc. Oh, j'aurais dû prendre des armures avant. Ah ouais? Ah ouais, non mais y'a même pas. Je pensais qu'il allait dire caviar, truffe, un truc de youtubeur quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je mette un caviar truffe? Moi j'adore. Mais non, mais tu dois manger un dernier aliment, c'est tellement chiant, caviar truffe. Ouais, c'est les pâtes, hein, clairement. Oui, les pâtes. Ah ouais, les pâtes, c'est vrai que c'est efficace. Moi j'adore les pâtes, hein, mais je vais finir diabétique à la fin de ma vie, mais j'adore les pâtes. Les gars, pourquoi il y a une maison jaune qui clignote en bleu sur la map? Une maison jaune. Ça indique là où on doit aller en fait. Non. Je peux faire une pente. Là, je fais une pente. Voilà. Oh, c'est bon. Et il rentre dedans. Ah ouais, oui, il y en a un qui s'est imbriqué direct dedans. Je crois qu'on peut carrément faire peut-être une pente et ça pourrait directement les mettre dedans. Tu peux automatiser le truc. Par contre, il y a un mutant qui te. Enfin, il y a un. Ouais. Ah mais putain, mais je me fais chier à déposer avec X alors que tu peux les jeter avec G en fait. Comment on la réaccroche après? Faut que tu vises un autre point. Et tu tires quoi. Ça va accrocher le deuxième point d'ancrage. Voilà. Ouah mais mec, je vais te péter la gueule. Ta mère toi. Les flèches. Où est le récolteur d'eau de pluie? Ah, cheminée en pierre, collecteur de pluie, c'est bon. J'ai trouvé le dernier, oh, ok. Ah, du coup, je disais eau de pluie et tout, mais en vrai, en fait, il n'y a pas besoin. Vu qu'il y a un lac à côté. Ce serait bien s'il y avait une moyen de mettre une pompe électrique et tout, qui pompe depuis le lac avec un tuyau. Bah, en tout cas, il y a du Satisfactory. Il y a de l'électricité qu'on peut mettre et tout. Il y a pas mal d'optimisation qui est. Enfin, de. Tu peux automatiser pas mal de trucs, ouais. Page, plein écran, luminosité. Ah. J'étais à 0,5. Ah, oui, mais voilà, mais mettons 0. Ah, bah voilà. Je me suis mis en 1 en luminosité. Et c'est même pas du cheat parce qu'en vrai, tu vois encore que dalle. Hein. Mais au moins là, tu vois, ça me paraît logique, tu vois. Ça va, on voit des trucs, quoi. Parce que je pense que même dans la vraie vie, je vois mieux, quoi. Bon, vas-y, je sauvegarde et on se casse. Ouais.